Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour ta présence parmi nous. Nous voulons te bénir, Seigneur, tu as vu là où deux ou trois sont ensemble, à mon nom, je me tiens parmi eux. Merci d'honorer de ta présence, je m'abandonne entre les creux de ta main, utilise ma personne et bénis chacun d'entre nous, merci. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, on dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort aujourd'hui? Avant de sauter, est une grâce de Dieu. Amen. Nous sommes dans sa présence. Il est vraiment important pour nous de le louer, de célébrer son Saint-Nom. Il est tellement merveilleux. Qui est content d'être là? Amen. Amen. Qui est Dieu? Amen. Qui est Dieu? Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est le dernier dimanche du mois de janvier. Hein? Alors, donc le mois prochain, nos histoires devant le Rédanon, on ne va plus oublier ça. Amen. Amen. Alors ce dimanche, on va poser des actions prophétiques qui seront bénéfiques pour nous. Amen. Amen. Qui vont, je vous disais comme ça, depuis le 31, que 2004-2020 est une année de stabilité. Avec une année de stabilité, parce que quand vous calculez, comptez les chiffres, nous retrouvons pratiquement 4, le chiffre 4. Amen. Amen. Le 20, nous voyons deux fois, nous voyons qu'il y a 4. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Donc cette année-là, Dieu rendra ta vie stable. Amen. Sur tous les plans. Amen. Sur le plan économique. Marital, voilà, c'est beaucoup de choses. Ta santé sera stable. Amen. Amen. Mais maintenant, pour que ça soit stable, il y a des conditions, des choses à suivre. Ça, c'est très important. Je ne suis pas seulement de dire bonne heureuse année. Amen. C'est vraiment intéressant de dire bonne heureuse année. On est content. On dit bonne heureuse année. Ok? Ça, c'est vrai. Parce que c'est notre souhait que une année soit meilleure. Ça, c'est le souhait de chacun d'entre nous. Mais tu fais quoi pour que l'année soit meilleure? C'est la question qui est posée. Tout le monde aimerait réussir. Il y a des choses, des conditions. Pour réussir, il faut travailler. Pour réussir, il faut bosser. Parce que si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de réussite. La réussite, ça se prépare. Le succès se prépare. Même si elle vient de Dieu, ça tout se prépare. Amen. Alors quelqu'un qui vient via l'église et quelqu'un qui va, qui a le, n'est-ce pas, qui a un diplôme, qui a une connaissance intellectuelle. Et qui devant une entreprise, c'est celui qui a le diplôme en main. Au-delà de la prière, il faut aller à l'école. Amen. Enfin, c'est des autres. Si tu ne comprends pas ça, Dieu ne pourra pas aller loin avec toi. Amen. C'est pas seulement dans la prière que Dieu donne le diplôme. Si tu as prié, que tu vas aller loin avec Dieu, c'est ta capacité intellectuelle. Ta connaissance que tu as, c'est ça que Dieu va te passer pour te bénir. Parce qu'il a dit aux disciples, qu'est-ce que vous avez? Ils n'ont rien à manger, qu'est-ce que vous avez? C'est pour ça qu'il ne vous limitez pas à ce que vous avez maintenant. Alors, la vie est question de projet. Qu'est-ce que tu projettes dans le futur? Qu'est-ce que tu aimerais devenir dans le futur? Donc, dis non, ça dépend de Dieu, ça dépend sur toi. Dieu, ça dépend de toi. Donc, dis non, ça dépend de Dieu, moi, je prie, non, ça dépend de toi. La Bible dit qu'à tes résolutions, répondra le succès. Ah, n'aimerais pas seulement que ça dépend seulement de Dieu, ça dépend sur toi. Dieu dit dans Esaïe 60, dis lève-toi. Quand ta lumière arrive, la lumière arrive, mais si tu ne l'aimes pas, elle ne brillera pas sur toi. Pour que Dieu te bénisse, ça dépend sur toi. Pour que Dieu te délivre, ça dépend de toi. Tu ne l'aimes pas, tu n'as pas de délivrer. Parce que tu vas aller chercher dans vos champs pour délivrer. Non. La délivrance, elle se décide. Tu veux que Dieu te délivre. Sinon, il sait que tu es malade. Elle sait mieux que toi. Amen. Amen. Alors, bonne heureuse année. Amen. Alléluia. Amen. Bonne heureuse année. Bonne année. Vous êtes à l'église Pentecôte, au Brésil de Paris, en France. Amen. Une église vivante. Nous croyons à la puissance de Dieu ici. Une église où Dieu se manifeste, une église de miracles. Et vous aurez vos miracles tout à l'heure. Parce que ce culte-là, c'est un culte de miracles. Amen. C'est un culte de miracles. Amen. Même si tu ne crois pas, moi, je crois que tu vas prier. Amen. Pas pour qu'on le fait, c'est ça. C'est le décret aujourd'hui, c'est ce culte-là.
tu sortiras d'ici avec elle. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Vous savez, il y a le miracle, c'est quelque chose de sur la terre. Le miracle n'est jamais la terre. Le miracle, donc c'est un miracle. C'est tant d'argent. Ça dépasse la compréhension humaine. Et la seule personne qui détient le miracle, c'est celui qui a pris du droit et qui mange avec lui. Dis amen. Amen. C'est tout. C'est lui qui détient le miracle. Amen. Ce dont tu as besoin, c'est un miracle. Amen. Si c'est connaissant, tu as appelé une connaissance. Amen. Si c'est relation, c'est ce qu'il dit. Tu as beaucoup de relations. Amen. Vérité. Mais vous t'es fait. Nuit en assis devant toi. Personne ne te voit. Amen. Tu es là, nous te noisis. Personne ne te voit. Tu es une jeune femme, mais personne ne te voit. On te prend pas le monde. Amen. Quand tu es pressé, le monde, se relâche. L'orange, c'est sucré, hein. Mais après, j'ai. Ça, ça va manger, ça va couper comme ça. On te suce et puis on te gèle. Tu veux ton sucette. On te suce et puis on te jette. Or, un homme, elle doit avoir son mari. Alléluia. Moi, je pense à la polygamie. Ça, c'est la vérité. Moi, je combat le péché de la polygamie. Alléluia. Amen. Alors vous allez m'excuser de quel polygame, mais c'est comme ça. Moi je suis contre la polygamie. Si tu es ici, tu vas avoir des enfants, moi je vais solliciter. Tu vas te déménager de l'église et aller ailleurs. Voilà, là où se marie à deux femmes. J'attends les messages, on dit polygame. Ça c'est mon gage pour vous. Amen. Amen. Dieu a créé une seule femme dans le jardin. Il a pris la tente. Il peut aussi faire le miracle pour avoir une femme. Il avait cette capacité. Mais c'est elle qui a non à lui. Amen. 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 Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Voilà. Donc vos théories, vos dogmes que vous ajoutez parce que vous voulez satisfaire vos convoitises, vos chairs, ça n'engage que vous. Amen. 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 Alors, la femme, c'est le plus gros cadeau que Dieu a donné à l'homme. Amen. Qu'elle est mauvaise, elle est mauvaise. Mais qu'elle est bien. Amen. On ne dit pas amen. Amen. Voilà, la femme, c'est le plus gros cadeau que Dieu a donné à l'homme. Amen. Or, vous savez ce qui est bon, le gars même détruit ça. C'est pour ça qu'il allait mettre Abraham à elle. Pour dire, viens et vive, on va détruire. Il a fallu elle pour qu'Abraham soit séduit. Il a utilisé, c'est pour ça que quand une femme elle est bien dans ta vie, elle construit ta vie. Quand elle est mauvaise, ta vie décontrôle. C'est pour ça qu'il faut le choix pour bien réfléchir. Si une femme avance, ça dépend. Si un homme avance, ça dépend de la femme qui l'épouse. S'il régresse, ça dépend aussi. C'est pour ça qu'une femme, c'est l'homme qui construit la femme. Amen. Ça nous dit la vérité. Amen. Nous, on a engagé sur tout. Sinon, c'est que nous faisons, c'est que nous faisons. Amen. 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 Ce n'est pas beauté là qui est important, c'est le caractère de la femme qui a cette capacité de transcender et de dire je veux pousser mon mari. Amen. C'est Abigail qui a fait que David a eu compassion de son mari. Un homme voyou, David voulait le tuer à cause de sa femme. David dit non. Elle est venue pleurer le doigt. Le roi dit non, je ne suis pas ton mari. Une bonne femme, c'est un bon mari. Amen. Si un homme devient bizarre, c'est sa femme qui l'a rendu bizarre. C'est la vérité. Si tu veux, tu acceptes, tu ne peux pas, c'est comme ça l'évangile. L'évangile de Dieu, là, chacun a sa part dedans. D'autres ne vont pas accepter, d'autres vont accepter. Mon frère, la Bible dit la femme est une aide. Le but pour lequel Dieu a créé la force, c'est d'aider l'homme. Sinon, on arrête. Il s'est baladé dans le jardin. Dieu dit non. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il te dit aide. Or, la Bible nous dans le Proverbe, celui qui trouve une femme, une épouse, pas une femme, c'est une erreur en théologie. En hébreu, on dit une épouse.
Épouser, ça veut dire qu'on a les mêmes idées. On a la même manière de voir les choses. Amen. C'est ça qui est important. Une femme et son mari doivent avoir la même manière de voir les choses. Amen. La femme, même, si un homme est bizarre, elle n'a pas le plus drogué, le plus bandit. Il rencontre une bonne femme. Il change. Amen. Les gens les plus bizarres, c'est comme les gens. Est-ce la vérité non, elle est pas? C'est la femme. Samson, quand tu dis que le muscle, non, c'est la faute d'ailleurs, reste tranquille. Reste tranquille. Elle a maîtrisé. Elle a tout fait pour maîtriser le secret de son pouvoir. Elle a mis à terre. La femme, quand elle le détruit, elle le détruit. Quand elle le construit, elle le construit. Quand tu viens pleurer, mon mari, elle ne sait pas pourquoi, c'est toi même qui voyais. C'est toi qui voyais, c'est pas ton mari, c'est toi. Amen. Tu as bien réfléchi pour aller dans ma mère. Ah, c'est bizarre. Je vous ai dit que c'est le bon cadeau que Dieu a donné à Adam. Amen. Adam. Non, l'homme. Adam. La femme est le bon cadeau que Dieu a donné. Les chefs d'Adam, il est déjà parti. Pour nous, là, c'est l'homme. Le bon cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est la femme. Amen. Je veux un bon mari. Est-ce que toi-même, tu es une bonne femme? Qui va bien moi, mais être comme il sera bien. Amen. Ah. C'est pour bénir l'aide. Faut pas venir faire la galère sauce, doubler, pour le dedans, on va manger. J'ai posé une question à une femme qui veut se marier à l'église de Digo. Tu veux te marier? Oui. Bah, comme il faut respecter la loi, on dit communauté de bien. Toi, tu as quoi? Elle me regarde. Elle dit non, mon mari. Bon, ton mari, lui, il vient quoi? Elle n'y a pas. Elle me regarde. Non, c'est qu'elle suit, s'est préparée. C'est tout. Donc, tu vas voir les placardiers, mamie, des fers. Tu vas aller une groupe dans la piscine. Et donc, je donne les idées. Faut chercher un consolateur. Je dois la société. Fais les 17 encore pour les échanges. Tu fais du sel et les gens vont payer pour moi. Et tu perds la partie, le monsieur s'occupe de la maison. C'est là qu'il dit, vous voyez, pourquoi les gens, ils pensent que c'est forcément l'homme qui doit travailler et que la femme ne doit pas travailler. Ici, heureusement, ils ont compris. Heureusement. Amen. Amen. Mais la femme, elle a cette capacité, de scanner l'homme et puis le booster. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'à un moment, la femme peut être induite en erreur. On t'a mis sur le bon chemin. Ça n'est pas juste pour. Il faut aussi réfléchir quand il parle. Ça n'est pas niveau pour pouvoir mettre là, non. Mais en ce qui concerne l'orientation d'une vie, les femmes ont cette condition-là. Amen. Amen. Une femme qui parle d'un projet, c'est une bonne femme. Amen. C'est une bonne femme. Une femme qui départ de construire, projeter les choses, c'est une bonne femme. Amen. Une femme qui parle pas trop de ça. Elle veut toujours aller manger au restaurant, sauce arachide, poulet à la braise, Saint-Pierre braisé, maman va boire bière, comment ça va faire? C'est la femme qui fait l'homme. Souvent les gens font en sorte de dire, mon mari, franchement, il faut qu'on se batte pour les yeux. C'est une bonne femme. Nous, nos cerveaux, là, ça tourne comme aigu de montre. Non, non, c'est ça qu'il y a des heures à laquelle tu voulais parler, faites attention à un homme, pour essayer de lui donner la AVC. Amen. Amen. Quand vous voulez vous marier, soyez rassurés que la femme est désarmée, que sa bouche est désarmée, qu'il n'y a pas de larmes de prière, il n'y a pas de messie solaire. Parce qu'il y a souvent les missiles sont air. Quand tu sors comme ça, elles n'ont pas ça. Hein. Mais ça là. Ah, Dieu a donné ça. Hein. Oui, papa. Dieu a donné ça. Parce que c'est où tu te mets. Toute la journée, tu réfléchis quand c'est là, mais c'est on dit les pompiers viennent te chercher dans ton service. On dit, mais si vous pensez, toi-même tu sais.
Combien de ce qui se passe à la maison? Amen. Amen. La femme doit mener la vérité à la maison. La femme doit savoir, elle doit se caler de l'or. Elle doit savoir lire sur le visage de son homme. Non. J'ai vu qu'elle dit non, la base d'homme est orgueilleux. Je vous ai donné les défauts. Un mauvais se trouve difficilement. La femme doit être, elle doit être capable d'amener son mari à s'ouvrir. L'homme pense qu'il est plus supérieur à la femme. C'est une erreur. Donc il ne veut pas souvent écouter la femme. Ça, c'est une erreur souvent. Amen. Le prophète, il est prophète à l'église. À la maison, il est mari. Il fait son grain, il fait son doublé. Ah, vous me regardez. J'ai préparé. C'est pas question de nous, il répond non. Moi-même, j'ai fait une cuisine. À l'assiette. Mais j'aime ça. Je ne sais pas dire, on ne donne pas les ordres. J'aime ça. Oui, la mais ça fait quoi? Ça m'enlève mon titre de prophétie. Elle, c'est qui va faire, il n'est pas ma paix. Elle, c'est qui va faire, il n'est pas ma les sorciers. Bon, si elle n'est pas, si elle n'a pas, il n'a pas les sorciers. Il peut arriver à rentrer le matelas. Est-ce que ça la satanise ou quoi? Madame est dans la cuisine, tu prends un couteau, tu vas l'aider. Ça va t'arriver quoi? Amen. Même avec ces petits trucs, tu peux les faire. Vous allez dire, ah, ça arrive là-bas. Il faut montrer à ta femme que tu l'aimes. Vraiment, démontre à ta femme. La Bible dit à l'homme, aime ta femme. Femme, sois soumise. L'amour, là, c'est montre. L'amour, c'est pas pour les lèvres. Le commandement qui dit à l'homme, Dieu dit femme, sois soumise. Mais soit oublie le commandement que Dieu dit à l'homme. Dieu dit aime ta femme. Il n'a pas dit alors, non, il dit que la femme aime ton mari. Parce que la femme, déjà, elle est sincère. Donc, il y a des gens qui les font. Il y a des gens qui les font, tu viens vous faire l'argent. Tu les connais. Il y a des gens qui les font, elle vous faire, ils sont là. À la base, la femme, qu'elle aime à 100%, elle est prête à tout. La femme, si elle voit qu'elle est sincère, elle est prête à tout. Elle peut même payer le prix. Pour toi, se battre pour toi. Après, les femmes qui ont suivi Jésus, même dans son tombeau. Pendant que nous les hommes fuyaient, c'est les femmes qui étaient là. Quand la femme aime, c'est ça que souvent les gens disent, c'est qui femme aime, Dieu aime. Bon, c'est pas un verset biblique, hein. Mais quand la femme est bien dans une affaire, elle s'engage à 100%. Nous les hommes, on est beaucoup réservés. Souvent les pays à fuir même sont les hommes. Ah oui, mais quand une femme est dedans, mais qu'est-ce que ça doit dans un parti politique, dans un mouvement, quand une femme milite, elle met tout son cœur. Nous ne sommes pas partagés. C'est-à-dire, Dieu dit à l'homme, aime ta femme. C'est-à-dire, toi et donc cette capacité. Le problème, prions-nous les hommes pour notre orgueil. Et ça, je dois le conseiller à tout le monde. Prions pour notre orgueil. C'est d'une manière subtile. Sans s'en rendre compte, on peut même blesser la femme. Parce qu'on pense qu'on a une manière de marcher dans la maison comme on est chef, on connaît tout, on sait tout de la maison. Or, la Bible dit, celui qui est, veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit, c'est celui qui demande pardon qui est le plus grand dans le couple. Si c'est la femme qui demande beaucoup pardon, dites-vous que c'est elle qui est grand. Vous comprenez? C'est celui qui s'humilie le plus. C'est celui qui est le plus grand. Jésus a donné ce commandement. Et donc nous avons le truc de nos amis. Souvent, on est là. On parle. Ne confondez pas le boulot et la maison. Tu es chef. Ça, c'est au travail. À la maison, tu es père. Hein? Amen. Et puis, un amour pour ta femme. D'accord? Amen. Donc, les bisous se portent en amen. Le meilleur paracétamol que tu vas donner à ta femme, c'est GPL. Alléluia. À midi, va y aller la sorcellerie, il y a tout là. Il y a escargot, il y a brochet, il y a mulet dedans. Il y a tous les poissons. À cause de GPL. À
Amen. 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 Il y a des gens qui sont sur Facebook. Ça prend les JT. Tu vois les gens qui sont sur Facebook. JT. Tu vois qu'elle a un temps de sourire. Le mot JT fait sourire beaucoup les femmes. Donc il faut habituer ta femme à ça. Comme ça, elle est habituée. Et que quelqu'un ne va pas l'attraper, dis-le à ça. Amen. Amen. Ça va? Amen. C'est la vie. Le bonheur, c'est la maison. Amen. C'est pas dehors, c'est à l'intérieur. Quand il y a un problème là-bas, il n'y a plus de démission. Amen. La femme et l'homme doivent être complicités, pas s'entendre. Amen. On avance dans le monde. Si les deux ne s'entendent pas, aucune bénédiction ne peut entrer dans sa maison. Tout ressort. C'est pour ça qu'évitez qu'il y ait des histoires dans une maison. Évitez ça. Quand vous voyez des histoires dans une maison, la maison devient vénérable. Toutes sortes de maladies entrent. Toutes sortes d'attaques entrent dans la maison. Parce que quand il y a une maladie, quand vous faites pas là, vous êtes convaincu que chacun va donner de son côté. Amen. Ah. Comment tu avais ta femme qui boule pendant 2 jours? Mais avant de dormir, vous ne parlez même pas. J'ai toujours dit, le point où on ne prie pas, c'est dans le lit. Si vous voulez prier, quittez le lit. Amen. Allez vous mettre en salon. Ou bien en genoux. Dieu même n'est pas en genoux. Le lit, c'est pour attraper ta femme. Lui dit à l'oreille, je t'aime, tu l'attrapes pour dormir. Amen. Ce n'est pas là-bas où il est resté des civils, non. Amen. Ce n'est pas église. Dis à quelqu'un église, le lit n'est pas église. Ça dit le pasteur a dit que le prophète même avait dit que le verset qui dit du prophète, le verset du prophète là, non, le verset du prophète reste au salon, reste dans les petits prix. Quand vous partez là-bas, dites-vous des bonnes choses. Amen. C'est pas là où on va se prêcher. Or, si vous rentrez dans un combat de fer dans le lit, vous dépuisez la grâce de Dieu sur vous. Vous pouvez sortir avec une maladie, vous pouvez sortir avec tout chose. Ce qui vous arrive aujourd'hui est parti de quelque chose, de quelque part. Et le diable n'aime pas voir les personnes unies. Et il n'est pas ça. Après, il y a des ténèbres dans le jardin, ça a énervé les venir les séparer par le péché. Il a mis quelque chose, il a fait que Dieu s'est retiré. Faites très attention. Si tu ne t'entends plus avec monsieur et ta femme, j'ai toujours dit, quand vous êtes dans quelque chose, ne restez pas longtemps derrière. Mais aussi, tu peux réussir le mariage si tu veux. On peut réussir la chose. Si on veut, avec Dieu, c'est-à-dire si tu associes Dieu, il peut t'amener à arranger ce qui même est mauvais. Amen. Ça va? Amen. Amen. Frère, tu n'es pas encore marié, il faut bien réfléchir. Ma soeur, tu n'es pas encore marié, il faut bien réfléchir. Seigneur, depuis qu'on est en 2020, je ne comprends plus rien. Hey! Si toi-même tu ne changes pas, tu ne peux pas avoir un bon mari. Pour être une bonne femme, pour avoir un bon mari, pour être une bonne femme. Amen. Parce qu'il y a des réalités dans le foyer. C'est quand tu rentres dans un foyer, tu dis oui, bonjour le foyer. Bonjour la réalité du foyer. Parce que le foyer où il y a le feu des temps, il faut savoir gérer le feu. L'harmonie. C'est pour ça que le diable n'aime pas votre personne sans âme. Vous êtes là pour prier. Le jour, vous deux, monsieur, madame, il y a des crises, des palabres, des crises, des clashs entre vous. C'est fini. Le diable s'installe sans le savoir et les maladies vont commencer. Les soucis vont commencer. Ça va? Amen. 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 Non, ça fait que je vieillis. Non, si tu peux vieillir comme ça, faut attendre ta pointure, faut attendre ta pointure. Dans le Seigneur, le temps appartient à Dieu. Amen. Amen. Il y a pointure 45, il y a pointure 60. Dieu n'a plus pointure. L'usine qu'il a, il peut fabriquer. Vous voyez. Amen. Amen. On peut être mal accompagné, c'est ça qui est dangereux. Le foyer, c'est pas un camp militaire. Amen. Amen. Le temps, ça va pas aller au restaurant.
communication, c'est l'arme la plus puissante qui calme beaucoup de choses dans un foyer. Amen. La communication. Moi, les communications, on peut détruire les relations. Tu vois que les gens font la question des communications. Ils ont l'impression que l'autre pense. Ah non, c'est toi qui imagines comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger à tort à travers quelque chose d'un frère ou d'une sœur. Il faut être toujours positif. Moi, j'ai un esprit positif. S'il y a quelque chose contre toi, je te le dis. Si je ne vais pas parler, c'est que mon esprit est bien. Je ne sais pas faire semblant dans ma relation. Je suis quelqu'un, je suis dedans, tu ne m'oblige pas. On ne me force jamais. Tu ne peux pas me forcer à faire quelque chose que toi tu veux. Jamais. Et moi, c'est mon caractère. Ça, c'est mon caractère, mon esprit. Et Dieu m'a choisi pour ça. Quand je suis dedans, je force. Ça me risque et paye. Quand j'ai quitté Abidjan pour aller à Divo, c'était des risques que je prenais. Je suis un homme beaucoup à risque. Vous savez, il y a un monsieur qui a quitté le Japon, n'est-ce pas? Comment il s'appelle? Carlos Ghosn. J'ai écouté son interview. C'est un païen. Il dit il aime des missions impossibles. J'ai dit waouh. Il expliquait. Il dit lui, quand il voit comment c'est difficile dans une entreprise, il dit non. Ça peut être possible. Et puis le relève des entreprises, jusqu'à Obama l'appeler. Et il avait un païen. Regardez sur le raisonnement d'un païen. Pourquoi nous, les chrétiens, on voit toujours difficulté quelque part? Il dit, donc, on dit, comment tu as pu quitter le Liban? Il dit, mais moi, c'est ma philosophie. Je ne vois jamais que c'est impossible. J'ai dit, mais ce gars, il est grand. La grandeur, c'est une question d'âme et d'esprit. Amen. Moi, je suis tombé. Ah! Parce que la Bible dit, à tes résolutions, répondra le succès. Il y a des gens, tous, c'est difficile. Ils voient toujours, c'est difficile. Or, c'est dans les difficultés que Dieu forge une personne. Amen. Si Dieu veut te rendre grand, il va te faire passer par des difficultés. Regarde Israël. Il n'y a pas un peuple que Dieu a dit qu'Israël. Toi, tu étais une fois aimé. Dieu a tissé une alliance avec Abraham et son peuple. Mais regardez, le peuple d'Israël va faire 400 ans d'Égypte comme esclave. Mais c'est ce qu'on appelle quelqu'un esclave. Il est sous contrôle, il n'est plus libre. Mais le peuple de Dieu qui avait une alliance avec Dieu. Alors le peuple d'Israël en Égypte, c'était le plan de Dieu. L'esclavage. Vous voyez toujours les gens, ils voient toujours ce qui leur arrive comme une malédiction. Quand ils vont se faire, ils peuvent s'ouvrir. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. On est d'accord avec ça? Amen. Pour vous, toi-même, tu crois que Dieu est quoi? Amen. Amen. Le seul problème, les gens, c'est qu'ils ne croient pas que Dieu est avec. Dieu a mis le peuple d'Israël en Égypte comme esclave. Or, quand vous regardez dans l'histoire, c'était la grande plateforme, la grande civilisation. L'écriture est partie de l'Égypte. Tout est parti de l'Égypte. Mais pour être grand, il faut avoir la connaissance. Et l'esclave devient plus puissant que le maître. Donc, pour mieux apprendre, il faut être esclave. N'est-ce pas? Amen. Donc, Dieu n'a pas commis l'erreur pour les rendre esclaves. C'est ce qu'on continue à faire. Tous les grands architectes qui. C'est pour ça que vous ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui que les juifs soient les grands économes. Parce que l'économie a commencé par leur ancêtre, par appelle Joseph. Dis amen. C'est lui qui a géré le premier ministre, qui a juste géré la crise égyptienne. Amen. C'est connaissant. Amen. Regardez l'histoire des grands hommes. Mandela a fait prison. À cause de ses idées, il a fait 25 ans. Toi, même une semaine en prison, tu vas crier. Une petite maison, c'est. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu de pèlerinage, le point de Mandela. Il a eu la tuberculose en prison, mais croyait à sa vision. Amen. Amen. Quand on vous attrape ici, c'est fini, vous êtes mort. Il m'a envoyé. N'importe quoi. Amen. Qui t'a envoyé? Avant, tu n'étais pas sûr. La foi est toujours éprouvée. Les épreuves nous montrent. C'est-à-dire Dieu met devant toi quand tu vas à l'école, il y a les épreuves. Pour montrer que tu as bien retenu. Donc Dieu te montre, t'envoie des épreuves pour voir si tu peux compter sur lui, frère. Pourquoi tu doutes dans le monde le plus difficile? De quoi tu n'es pas capable? Il y a croire et puis avoir la foi. Deux choses. Croire, ça dit, c'est ce que tu sais déjà. Amen. Amen. Oh, Paris, oui, je crois. Oui, je. Ça, c'est ce que tu sais.
c'est spirituel. Est-ce que vous connaissez ici? Amen. Il y a quoi? Et puis il y a quoi la foi? Amen. Il y a des gens qui croient, mais qui n'ont pas la foi. Amen. Et ils savent que quoi est la prière? Quoi est la prière? Ah, mais ils n'ont pas foi à la prière. C'est qu'elle commence à prier même que la chose monte dans leurs pieds. C'est qu'elle commence à prier même que ça monte, ça vient dans mon dos, mon frère. Amen. Amen. Ouais. Je laisse la prière. C'est quand je laisse la prière. C'est quand je prie pas même que ça va. C'est quand je prie même. Amen. Oh. Dis à quelqu'un la foi. Dis amen. Amen. Ça vous est vraiment arrivé? Vous avez l'impression que non, c'est quand vous priez même que les choses arrivent difficiles, difficiles. Tout est bizarre, bizarre. Mais Dieu fait exprès. Amen. Dieu fait exprès. C'est dans les difficultés qu'il agit. Amen. Comment tu sauras la puissance de Dieu s'il n'y a pas les difficultés? Amen. 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 La Bible dit la foi est une faible assurance que je connais. Elle se demande. Qu'est-ce que la guérison? Oui. Amen. Tout ce que tu vas entendre, c'est zéro. Tout ce que tu vas vivre là, parce que la foi c'est spirituel. Ça n'a rien à voir avec ce que tu vois. Face à la mer rouge, Moïse a dit, ah, l'éternel combat. Il dit, pourquoi les menus? Or le problème, quand on a la foi, on ne lui plus. On s'est dit, ça va se faire. Amen. On s'en fout le temps que ça va mettre. Mais Dieu verra. Amen. Ah oui. C'est ça la différence. C'est pour ça que la Bible dit que le père de la foi, c'est Abraham. Il a cru. Il est sorti de Mésopotamie pour aller là où il partait sans savoir où il allait. Mais il croyait que Dieu n'allait pas le jeter. Amen. Quelque chose vous allez penser que non, c'est fini pour vous. Et on perd la foi. Et on ne vient plus à l'église. Même quand on voit la Bible, c'est quand il dit même verset biblique là, c'est là où ça vient. Bible avec ma carrière, parce qu'il nourrit du diable. C'est quand je prie trop, quand je ne prie pas trop, mais le diable, il sait. La seule chose qui fait descendre Dieu, c'est la prière. Amen. Amen. La foi, c'est la chose qui déclenche les choses. Amen. Il y a une expérience que Dieu aimerait que tu puisses vivre avec lui, et c'est personnel. Ce n'est pas collectif, c'est personnel. Et c'est dans les difficultés que Dieu agit. Amen. Devant la mer rouge, Moïse avait une expérience avec Dieu. Heureusement. Il dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Car l'Éternel combattra pour nous. Amen. Ah, c'est fort, frère. Amen. Amen. Mais ce n'était pas facile de croire. Parce qu'il y avait une notion. La mer. Vous savez ce qu'on appelle le ciel, la mer, ça appelle les plus. Quand tu regardes l'horizon, tu as l'impression que le ciel va descendre là-bas et tu te dis, mais l'océan, tu es poisson ou bien. Quand tu vas marcher, tu vas. Donc, il y a des gens qui s'appellent d'un jour. Mais la mer, ce n'est pas tout le monde qui connaît. Il y a des vagues dedans. Mais la dit, l'Éternel est avec nous. Oh, quand vous regardez dans Exode chapitre 14, il y avait un raccourci d'une semaine pour atteindre Canaan et Dieu conduit le peuple devant la mer rouge. Il a fait exprès pour éclater sa gloire. Vous savez, quand Dieu veut éclater sa gloire, il pousse les gens vers le mal. Il pousse les gens vers l'erreur. Et puis, vous ne rien. Tu peux compter sur lui. Si tu comptes sur lui, il agit. Amen. Amen. Parce que tout ce qui vous arrive, ne voyez pas ça. Non, vous ne faites pas gagner. Vous avez une fois dit après, Moïse est retourné pour dire, vous êtes divisé là. Laissez-moi en paix, laissez-moi. Non, je n'avais pas adressé à lui ça. Non, je n'ai pas adressé à lui, il n'avait pas fait là. Il avait affaire à ce que Dieu allait faire dans leur vie. Ne vous occupez pas de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous regardez ça, ça va vous en plaisir. Parce que humainement parlant, vous ne pouvez rien devant ça. D'accord? On est d'accord avec ça? Mais il est tel combattra pour nous, mais vous gardez le silence. Et la meilleure manière pour que Dieu intervienne sur le silence, amen, c'est dans le cas. Amen.
que le silence que Dieu agit. Il y a quelqu'un, c'est dans le calme que le silence que Dieu agit. Ton seul problème, c'est que devant les choses, tu as trop parlé. Tu as trop crié. Tu t'es trop exhibé. Quand quelqu'un dit je laisse pour moi à Dieu, c'est la meilleure chose. Ah, dis amen. Amen. Quand quelqu'un dit tu m'as fait, je sais, Seigneur, ça me fait mal, mais je laisse en paix. Oh là là. Amen. Le plus, c'est la personne qui peut mieux dévanger, c'est Dieu. Amen. Ne rentrez pas dans les paroles inutiles. Et puis ça va, vous allez vous fatiguer. Et vous allez vous fatiguer. Prêt, il part. Ah, il a parlé. Oui, il est là. Ah, et il m'a jeté. J'ai vu encore. Comment faire? Il dit à moi la vengeance. La chose que je lui dis, c'est la partie, c'est la vengeance. Tout ça. Dieu sait bien coincer les gens. Il va le coincer dans un témoignage. Amen. Il dit, l'Éternel combattra pour nous, mais vous, gardez le silence. Vous savez, quand Dieu nous forge quelqu'un, il lui crée, il lui ramène des difficultés. Et les difficultés sont comme des miracles d'Élysée. Amen. Il te fait sauter les étapes, une difficulté. Ah oui. Et tu parles de difficulté en difficulté. Pour atteindre Canaan, il y a eu les 7 fois d'opposition. Israël traverse la mer Rouge. Voici Amalek devant Israël. Les Philistiens, les Égyptiens, les Hétiens devant Israël. Pourquoi le peuple fait peur à Israël? À cause de son histoire. Amen. Amen. Parce que Dieu les a préparés. Il les a forgés. Il les a forgés. Amen. Amen. Si Dieu l'a dit loin de toi, il va permettre qu'il y ait la maladie et que tu sois guéri par ta foi. Amen. Que tu puisses t'en sortir avec ta foi. Et à un moment donné, les hommes ne pourront plus. C'est face à ta foi. Parce que, frère, il y a ce qu'on appelle l'expérience personnelle. Amen. Et tu seras bien allé avec Dieu. Il va te guérir. Dieu a gagné la foi. La foi. Marie Saint-Denis. Amen. C'est la foi. Amen. Vous avez l'impression que les gens vont aller vivre, ils n'ont pas la foi. C'est pour ça que la vie ne change pas. Il dit, c'est moi qui ouvre les portes et c'est moi qui les ferme. Mais vous comprenez Dieu, Dieu dit, c'est lui qui ouvre les portes. Pas où on veut, les gens. Une porte se ferme, une porte va s'ouvrir. Il dit, là, l'argent m'appartient. Amen. Et pourquoi vous m'humiliez? C'est pour lui l'argent. Amen. C'est pour lui l'argent. Amen. Dis amen. Amen. Dis avec Dieu, dis avec Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Amen, ça va? Tout est possible. Ne croyez pas seulement, mais ayez la foi. Les gens croient que Dieu existe. C'est vrai, ils n'ont pas foi en lui. Ah, il existe, mais est-ce qu'il peut? On dit c'est cancer. On dit c'est cancer. C'est vrai qu'il existe, mais quand quelqu'un commence à dire mais, il ne l'écoute plus. C'est ça. Je n'ai pas de chrétien qui aime dire mais après. Dans une histoire de la spiritualité. C'est ça que la Bible dit. Marcher selon l'esprit. Et ne marchez pas selon la chair pour accomplir les œuvres du diable. Pour marcher selon, pour grandir avec Dieu, il faut être vraiment spirituel. Quand Pierre a parlé, Pierre dit à Jésus, on dit qui Pierre, Jésus dit qui vous pensez que je suis? Il a dit, on dit quoi? On dit que je suis le fils de Dieu, n'est-ce pas? Pierre dit quoi? Jésus dit quoi? Ce n'est ni la chair, ni le sang. Mais c'est mon, l'Esprit de Dieu qui va révéler ça. Vous comprenez? Pour dire la révélation du Fils de Dieu, ça n'a rien à voir avec la chair. C'est une question d'esprit. Amen. Il y a des gens qui sont à l'église mais n'ont aucune expérience personnelle de la puissance de Dieu. Amen. Or, pour avoir une expérience de Dieu, il faut que Dieu te, se révèle à toi. Et Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. Dieu se révèle à ce qu'on va. Pierre dit non. Je le dis, je lui dis non. Il regarde Pierre toi dans les yeux. Il dit, ce que tu entends, il dit, ce n'est ni la chair, ni le sang, mais c'est l'esprit de mon Père qui va révéler ça. Amen. Pourquoi paralyser le Seigneur? Pourquoi? Attends.
La Bible dit qu'il y a un grain de cheveux de tombe, le longtemps sans dans le plan de Dieu. Est-ce que toi-même tu peux conduire ta destinée? C'est Dieu qui a la destinée. Amen. Ce qui t'arrive de haut, il le sait mieux que toi. Il dit qui d'entre vous donnera-t-il un scorpion à son fils si vous ne demandez pas? Si vous savez donner les bonnes choses, à pourquoi de l'homme lui? Donc ce qui t'arrive, il est au contrôle, il sait tout. Il sait tout. La seule chose, c'est une épreuve. Pour voir si tu peux compter sur lui. Amen. 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 C'est pour ça qu'il faut garder la sœur. Ne paniquez jamais devant quelque chose qui nous semble difficile. Amen. Parce que la première chose que vous allez avoir, c'est la chair. La chair va prendre un coup. La chair va dire, ah, si vous rentrez dans les raisonnements humains, oh, c'est fini. Amen. 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 J'ai expliqué un truc à un jour ici, il a dit, j'ai une migraine, j'étais arrivé des États-Unis. Tout ça, et je sors, j'ai l'habitude de faire le sport, tout ça. Et puis j'ai des migraines dans la voiture. Et donc je demande à mon chauffeur, amène-moi dans une clinique juste là, parce que je prends ma tension, tout ça. Il dit, je vais prendre ma tension. Quand je rentre dans la clinique, le monsieur a posé la tension, et le monsieur dit, couche-toi. Il me dit, il me couche. Couche-toi. Il faut m'expliquer. Il dit, non, il ne faut même pas parler. Que ta tension est petite. Selon ce qu'il dit, que j'ai marché, elle va. Je lui ai dit, c'est pas moi. Non. Il dit, non, mais il ne parle plus. Restez là. Il faut me parler. Il dit, moi. Tu as venu mettre des produits dans mon corps. Je réfléchis ça. Amen. Amen. Je réfléchis ça, je réfléchis. Il dit, non, il change, il dit. Dieu bénit ce qu'on est rêve.
L'endroit bien indiqué pour avoir un rêve, c'est dans le Seigneur. Amen. Dis amen. Amen. Alors, quand nous sommes en 2020, n'est-ce pas? Amen. Il faut projeter des choses. Dis amen. Amen. Quel est ton projet? Dis à quelqu'un, quel est ton projet? Les gens disent à 2020, moi, mais je ne sais pas ce que Dieu veut. Oh non, c'est trop dangereux. Quand il dit ça, la Bible dit que les délices et les délices sont dans les racines de ton cœur. Chaque année, il faut projeter des choses. Amen. Amen. Alors, il y a 12 mois dans l'année, d'accord? Il faut avoir 12 sujets, des projets. Est-ce que moi, quand on ne pas acheter une maison, tu penses sur quoi? Tu peux même avoir la réponse au début de mon livre. Si Dieu, c'est Dieu qui décide. Amen. Mais Dieu décide que c'est d'avoir la foi de projeter les choses. Amen. 10 sujets, 12 sujets. Pourquoi? Parce que ça partit des projets que Dieu descend dans la vie d'un individu. Amen. Si vous voulez voir Dieu réaliser, si vous voulez voir la main de Dieu, c'est l'accomplissement de vos rêves. N'est-ce pas? Ah oui, c'est l'accomplissement de vos rêves. Si vous n'avez pas de rêve, vous n'allez jamais voir Dieu agir dans votre vie. Amen. Non, Dieu n'agit pas dans la vie d'un individu. C'est pour ça que Dieu avant de bénir les gens, il y avait déjà la prophétie qui s'en est. Jésus avant de bénir, il y avait déjà la... C'était déjà prédit. Vous comprenez? Amen. Est-ce que ma bien saisi? Amen. Donc 2020, il y a quelqu'un qui dit non, 2020, papa, c'est quoi? Si 2001 devient et 2020 devient difficile, c'est que c'est toi qui as rendu ça difficile. Pourquoi? La Bible dit que avec Dieu, nous ferons des essais. Vous comprenez? Amen. Avec lui. Alors, on a 2020. On a démarré 2020. Tu as des projets? Oui. Il faut commencer à les énumérer. 1, 2, 12. Et fais quoi? Il faut commencer à prier Dieu. La seule chose qui fait descendre Dieu, c'est la prière. Amen. On est d'accord avec ça? Amen. Il dit invoque-moi, je te répondrai. Bon. Quelqu'un qui ne prie pas, vous voulez que Dieu fasse quoi? Amen. 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 Bon, tu ne travailles pas. Tu vas avoir l'argent comment? Tu ne pries pas. Tu vas avoir projet. Dieu va être aussi comment? Amen. Les gens, ils aiment dormir. Pour dormir, ça, c'est rapide. Je suis fatigué. Il y a des gens, quand ils touchent le lit, c'est fini. Ils sont allergiques au lit. J'avais allergique. Laissez les bombes. On est depuis un lit, le lit n'est même pas un endroit où soit pour prier. Non, laissez le lit. Là-bas, le lit même, c'est pas petit, laissez. Amen. Il faut avoir un endroit. Elle et moi, on a un endroit où on prie. Alléluia. Quand elle et moi, on descend, on va dans un endroit parce que c'est là où on va rencontrer Dieu. Amen. On a notre bébé. On est convaincu que là on prie. Amen. Amen. Ah oui. Et ça c'est important, bien aimé. Il faut que vous ayez cette culture. La Bible dit que tous les soirs, Dieu descendait dans le jardin pour parler. Vous comprenez? Et cette culture, il est invoqué. Il dit invoque-moi, je te répondrai. C'est quel verset, Jérémie? Encore un verset. Le verset 3. Il dit invoque-moi. Pour qu'il descende, c'est quoi? Pour qu'il te dépose à l'île, quoi? Il faut l'invoquer. Bon, tu n'as pas invoqué, il n'a pas venu, il est malade ou bien. Donc lui, il est malade. Oui, il est soudé. Il m'excuse, Dieu. Il est soudé. Il dit, invoque-moi. Où est Dieu? Il m'a dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. C'est sa parole qui va l'exécuter. Lui, il dit, pour qu'il descende, il faut que tu l'invoques. Maintenant, toi, tu ne l'invoques pas. Tu cherches moi. Ce n'est pas un problème, tu cherches. C'est pas ça? Voici pourquoi les gens ils échouent. Voici pourquoi les gens échouent. Amen. On m'a bien saisi. Amen. Les gens échouent parce qu'ils n'ont pas un contact permanent avec Dieu. Qui croit que Dieu existe? Amen. Amen. Tous les mêmes sont allés. Amen. Tout le monde dit amen. Et Dieu c'est qui? Dieu c'est qui? C'est l'être. Hein? C'est l'être.
suprême, voilà. Bon, on dit quelqu'un qui est suprême. Pourquoi il ne fait pas ton papa ou ton camarade? Passons à la vie. Viens. Reste, je pourrais illustrer un peu la chose, regardez ce que je vais faire. Alors, passons à la vie. On va essayer de faire quelque chose ensemble. Jacques 4, verset 8. Est-ce qu'on me suit un peu? Amen. Vous allez voir pourquoi les jeunes jouent un coucou de là-dedans d'une année. Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Très bien. Bien, mon frère, mon fils. Faut t'asseoir. Vous savez ce qu'on appelle approcher, c'est quoi en français? Hein? 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 Allez? Très bien. J'ai bien dit cette explication. C'est aller vers. Alors, donc, si toi tu ne viens pas, tu ne vas pas vers. Celui qui doit venir vers. Non. Il y a quelqu'un, non? Non. Vous voyez pas où c'est joué? Pasteur, reprend le passage. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous avez compris, non? Donc, Dieu connaît tout. Il connaît ce qui est dans mon cœur. Mon frère, tu vois, ton cœur va s'exploser. Ça va rester seul là-bas et tout va se détruire dans ton cœur. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera. Amen. Vous avez compris? Amen. Alors, c'est un exemple. Je ne suis pas Dieu. C'est comme Dieu est là. Et si toi tu as besoin de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Hein? Mais frère, tu viens vers. Et là, je sais qu'il vient vers le Père, n'est-ce pas? Amen. Il s'approchait de moi. C'est pas ça? Il dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Donc Dieu sait qu'il est venu. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Très bien. Il s'approche. Il va parler. Ma fille est malade. J'ai besoin de beaucoup d'argent. Construire une maison, acheter une voiture, des projets. Tout ça, hein? Amen. Dieu l'a écouté, non? Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est pas ça? Amen. C'est lui qui est venu, non? Amen. Dieu prend en compte. Amen. Maintenant, qu'est-ce que lui doit faire? Non, marcher avec lui. On sort. Devenir camarade. Amen. En quoi faisant? Lui l'a pris, mais en respectant les commandements de Dieu. Amen. Deutéronome 28. Ça ne suffit pas seulement de dire Seigneur, 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 Seigneur. Amen. Par exemple, lui, il vient vers moi. Il vient et puis il fume. Ah. Il vient et puis il est saoulé. Pour quelqu'un qui vient, vous ne voyez pas d'ici. Vous même le plan sérieux? Non. Vous avez le plan sérieux? Sa manière de faire qui permettra à Dieu de le prendre au sérieux. Amen. Pourquoi? Parce que si lui a la connaissance de Dieu, il connaît Dieu, il sait que Dieu il est saint, n'est-ce pas? Amen. C'est vrai que Dieu appelle les pécheurs, nous appelle les pécheurs, mais il y a un minimum de sacrifices qu'ils devront faire pour plaire à Dieu. N'est-ce pas? Amen. Alors, Dieu prend en compte ce que tu as dit, il note. Maintenant, pour que Dieu te bénisse, il va te regarder. Si tu as dit à Dieu, Seigneur, c'est, voici, quand tu as fini le Seigneur, et tu vas chez le petit, marabout.
Parce qu'on ne mélange pas les deux. Or, si tu es venu, tu dis, Seigneur, je fais pitié, 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 je vais manger. Je dis, oui, ils ne vont pas te manger, c'est bon. Mon fils, ils ne vont plus faire ça, sauf ça, 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 ils ne vont plus faire. Je te protège, Djoublé, ils ne vont plus faire, sans Djoublé, Popin, Kakali. Non, je ne mangeais pas. Toi, tu crois que non, là-bas, là, comme c'est notre tradition, aide-toi et puis le seul t'aidera. Ah! Tu as rencontré le plus grand. Tu as le fait voyager du nom. Détourne le chapitre 28. Oui, verset. À partir de verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Écoute, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements. Il dit. En enseignant et en mettant en pratique ces que je te prescris aujourd'hui, oui. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Très bien. Vous voulez une élévation? Amen. Dieu n'élève pas n'importe qui. Dieu élève celui qui obéit. On poursuit. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Il revient là-dessus. Oui, allons-y. Comment? Vas-y, vas-y. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voici les bénédictions. Lorsque, il y a une condition, c'est quand tu obéiras. Ce n'est pas quand tu vas venir parler seulement, mais c'est lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Ce serait qu'une infraction suffit pour que Dieu s'éloigne de vous. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et toi tu vas, tu dors avec ta colère. Donc lui, pourquoi il va respecter? Il dit, je verse ma parole. C'est-à-dire, pour l'accomplir et l'exécuter. C'est pour ça que quand tu vas à la maison, évitez les soirs, par exemple. S'il y a quelque chose qu'on vous a fait, libérez vos cœurs. Dis Seigneur, je te remets ça, je libère mon cœur. Parce que nous sommes dans un monde où les gens sont hypocrites et méchants. Et ça, mettez ça dans votre tête. Et ne vivez pas pour les gens. Vivez votre vie. Amen. Et vous serez toujours choqués par la méchanceté des gens. Amen. Vous serez toujours choqués par la trahison. Amen. C'est les choses qui blessent. Parce que vous êtes vrai et en train de voir, il y a des gens qui sont vrais. Ça, vous allez rencontrer ça. Même Jésus a rencontré ça. Ce n'est pas quelque chose. Même avec Dieu, même, c'est comme ça. Donc, quand on te choque, renais le choc. Mais ne gardez pas les choses. N'ayez pas les choses contre une personne dans le cœur. Amen. 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 Si vous gardez les choses contre une personne et que vous cherchez à nuire à cette personne, vous détruisez votre propre vie. Pourquoi? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Amen. Ils ont arrêté Jésus. Puis a pris l'épée. Attention. Celui qui règne par l'épée, périra par l'épée. Je peux me venger. Mais quand je tue, celui qui détruit, sera aussi détruit. C'est une loi. Amen. Amen. C'est une loi. Quand tu parles mal de quelqu'un et tu cherches à le nuire, c'est un crime contre le sang. C'est dans l'Évitique, j'ai déjà prêché ça ici. J'ai déjà prêché ça ici. C'est pour cela que, frère, si tu veux construire ta vie, évite la vie des gens. Vas-y, construis ta vie. Il faut éviter les gens. Les gens, leur vie. Malheureusement, les gens s'intéressent aux vies des gens. La vie des gens, si tu penses que quelqu'un est mauvais, prie pour lui. Et puis, il ne t'intéresse pas à sa vie. Toi, tu sais pourquoi tu es sur cette terre. Construis ta vie. Pourquoi tu veux forcément t'intéresser à la vie des gens? Pourquoi tu ne veux pas être une bénédiction pour les gens et toi, tu veux être un problème pour les gens? La Bible dit que tu seras une bénédiction. La Bible n'a jamais dit que tu seras un problème. La Bible dit que tu seras une bénédiction. Ne viens jamais dans la vie de quelqu'un pour être un problème. Amen. Parce que Dieu enlève toujours l'obstacle. Et quand tu vas vouloir lever l'obstacle, mon péché. Amen.
C'est ce que vous ne savez pas. Quand vous devenez un problème, le jour où Hérode est devenu un problème pour Jésus, il est allé au cachet. Il a maté le monsieur, les vers sont sortis de son corps, il est mort vivant. Et Jésus est monté. Même notre Jésus là, bébé qu'il était, il a eu des ennemis pour l'empêcher de devenir roi. Voilà. Donc, quand vous ne voulez pas, il aura des gens. C'est pour ça que je vous conseille, tous les jeudis, prenez jeudi, jeûnez jusqu'à 18h. Jeudi là, c'est-à-dire la nuit du mercredi au jeudi, à partir de 4h, 3h, 4h, priez pour vos ennemis. Contre, ramenez ça dans leur camp. Si tu ne sais pas prier, commence par le saut 35. Vous comprenez ce qu'il veut dire? J'avais flèche là, il y a un restant de toi. Amen. Quand on est dans un combat spirituel, tu fais les gestes là, tu n'as pas même l'autre. Les gestes, c'est des œuvres très stratégiques. Jusqu'au coucher du soleil. Jésus dit, soleil, arrête-toi. Jusqu'à ce que je détruise tous les ennemis d'Israël. C'est pour ça que dans le mois de janvier, il y a un jour qui a sauté. Amen. Jusqu'au coucher du soleil. Vous pouvez commencer entre midi et deux pour prier, à 17h30 pour prier. Dans la semaine, parce que vous voulez ou pas, il y a des ennemis de la destinée. Il ne faut pas vous aller exclure ça de votre mémoire. N'excluez jamais cela de votre mémoire. Toi, tu aimes l'homme, il y a des gens qui ont l'air. Malgré toute ta gentillesse, malgré toute ta sincérité, ils ne vont jamais vous aimer. Parce que leur fond intérieur est vrai. C'est les gens toujours qui aiment quoi de. Toujours, trouvent toujours les bouts de l'issue. C'est-à-dire, toujours que tu. Ce que tu as dit là, c'est pas bon. Amen. Et tout dit, non, ce que tu fais là, c'est pas bon. Ah, mon frère! Donc, ça veut dire, lui, s'intéresse à moi, toi, mais tu ne t'occupes pas de lui. Hein? Moi, c'est lui, je suis parti. Hein? Parce que, il cherche toujours quelque chose à dire. Amen. Oh, toi, tu dors. Vous savez quoi, c'est lui, il a voulu donner du travail. Ils vont mettre sur Facebook. Ah, il sourit, il est fâché. Parce que tu souris. Dans le restaurant, il est fâché. C'est qu'est-ce que tu as dit ça? Moi, c'est lui, il veut. Ouais, comment toi, tu penses avoir du bonheur. Tu veux que tes enfants aient du bonheur. Tu veux être heureux. Et puis, toi, dans ta tête, tu ne veux pas que l'autre soit heureux. Mais la Bible dit qu'on te mesurera avec la mesure dont tu t'es servi pour mesurer. C'est comme ça, c'est une loi. Souvent, les choses qui arrivent aux gens n'étaient pas forcément de la sorcellerie. C'est une malédiction. Amen. Si vous avez bien remarqué, c'est des gens qui ont combattu des gens, des innocents, qui leur ont barré le bon chemin. Quand vous lisez la Bible, que Dieu nous aide. Amen. Amen. Quand Amalek a barré le chemin d'Israël, Dieu dit à Moïse, écris dans le livre de Sémé, écris ce passage. Pour que ça me serve de souvenir. Parce que je vais détruire la mémoire d'Amalek sur la terre. Quand Dieu a établi le premier roi qu'on appelle Saül, il parle de Dieu Amalek. Pas de Dieu Amalek. Vous savez, tout ce qu'on vous pose comme acte négatif, il y a un livre de Dieu, c'est inscrit. Toute ma prétence dans le Seigneur qu'on trouve. C'est ça que par moment, renégat Dieu. C'est ça que par moment, quand vous voyez qu'on vous maltraite, qu'on vous crée des problèmes, remettez ça à Dieu. Tu dis à Dieu, tu vois, toi-même tu sais, moi-même je sais, je peux parler, mais je garde le silence avec toi. Amen. Je te remets ça. Ah, frère, ce que vous avez fait là, c'est dangereux. Parce que j'ai un livre de mon Dieu qui enregistre tout ce que les gens font dans le secret. Le problème, la personne de Dieu est là. Hein? Quand Dieu voulait juger les Égyptiens, il n'a pas fait un point. Non. Ils sont là. Vous pouvez bien les tuer. C'est qu'ils te mettent dans une bouchon, les gens, parce qu'ils t'ont vu. Oui. Non, lui, c'est lui qui nous l'a gagné. Or, ils ne savent pas la relation avec Dieu. Le seul problème que les gens, ils ne connaissent pas la relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas
jouer ça. Il y a quelqu'un qui ne joue pas ta relation avec Dieu. Le jour où ils ont dit à Babylon, ici on n'adore pas notre Dieu, que le Dieu lui dédicate ça. David dit, ta mère dit moi. Vous avez menti, moi. Il ouvre les fenêtres de Jérusalem. Il crie Elohim, Elohim est Dieu. Vous allez m'amener à ne plus adorer le Dieu d'Israël. J'aimerais que je sois l'étranger. On dit quoi? Ils ont promis, c'est le jeune juif là, Daniel. Ils sont allés faire force au lion. Ils ont mis, on a pris Daniel. On dit, c'est toi? Renonce à ton Dieu, dit moi. Loin de moi de renoncer à l'éternel. Bon, ok. Quand tu penses que tu ne renonces pas à Dieu, tu te mets la viande du lion. On le prend, on le jette. Dès qu'il est tombé le lion a passé avec la paix. Hein. Alléluia! Ils m'ont dit, oh Daniel, est-ce que ton Dieu a pu te sauver? Il dit, oui, l'Éternel m'a délivré de la force. On dit, oh Daniel, ton Dieu serait adoré désormais ici. Ils sont les cassés, les statues. Ils ont cassé les statues. Ils ont cassé. Ils disent désormais, abonnez le Dieu. Le Daniel. Dieu est dedans. Ils seront un jour coincés. Souvent, les gens sont subis. Des fois, ils ont tout fait, ils n'ont pas pu d'abord. Ceux qui cherchent à vous voir, ils sont étonnés. Ah, il vit encore. Ah, il parle encore. Ah, il se mouvant encore. Mais c'est le signe qui dit que lui, il a dit dans sa vie. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, ah, nous allons dire, oh non, on va même pas pardonner la prière. Le seul problème, on pense, c'est que comme c'est beaucoup, ça vient partout, Dieu ne prie pas. Si la vie est Dieu est dans ta vie. Tu vas dans les réunions et les gens qui cherchent à t'empoisonner. C'est Dieu qui fait ça. Ça t'évite la poison. Souvent tu dis manger à quelqu'un lui-même, pourquoi c'est lui? Et même, il y a des gens qui sont les enfants des Satan. Tu vas bien penser de, et il aura toujours de mauvaises pensées de toi. Vérité. Même Jésus même, il avait les disciples. Il y a un qui le voyait en Shibuya, le ventre. Amen. Judas. Lui voit Jésus, il dit, ah, lui, il a même plus le bon, mais ça nous donne de l'argent. Il y a des gens qui vont en business, hein. Il veut jouer à vous. Il veut voir un jeu. Amen. Amen. On ne peut pas jouer avec un être humain. Il y a quelqu'un qui vient pour sacré. Moi, je ne sais pas comment les gens s'arrêtent d'aller regarder le sang classique. Moi, je ne vois pas. Je ne suis pas même pas. Quand il y a le sang quelque part, je ne suis pas même pas. Je suis très allégué à ça. Parce que l'être humain, il est tout sacré. Comment les gens arrivent à dormir, conspirer les choses, une méchanceté. Ils conspirent, ils dorment avec ça. Si ce n'est pas l'esprit de la sorcellerie, c'est quoi? Non, si ce n'est pas l'esprit de la sorcellerie, comment vous expliquez ça? Tu n'es pas dans une affaire, mais laisse-le. Et dis, ne crie pas de ta vie. Oui. Amen. Chacun a sa destinée. Le jour où je pense que l'autre n'est pas bien, il n'est plus pour nous. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de prier pour les uns, pour les autres. Amen. La vie n'a jamais dit qu'il faut attaquer ton ami. Non, il dit attaque les ennemis. Amen. Amen. Et te confier tes sujets. Donc j'ai dit prier pour ça. Amen, j'ai dit. Amen. Alors donc lundi, priez vos sujets. Quand vous réveillez très tôt, l'heure mieux indiquée pour la prière, c'est 3h40. À cette heure-là, n'importe la journée. Si tu ne connais pas Dieu, là, c'est pas bon. Il y a des anges qui sont là pour m'aider à prier. Amen. 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 3h30, 4h sur le jusqu'à 5h. Donc, finissez là cette période.
Le soir, comme il disait, libérez vos cœurs. N'allez jamais dormir le cœur chargé. Et il dit ça. Et vous démarrez une journée, dites-vous que vous allez rencontrer beaucoup de choses. Amen. Quand on rentre dans la maison, c'est gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous dites que tu vas réveiller du monde? C'est la grâce de Dieu. Amen. Hein? C'est la grâce de Dieu. Amen. Donc quand vous rentrez, tout ce que vous avez vécu comme difficulté, partagez ça à Dieu. Amen. Et Dieu dit, je décale toutes mes difficultés, je libère mon cœur. Ça, c'est le soir. Et puis vous réglez ce bon sujet. Pourquoi? Parce que si vous insistez dans la prière, vous verrez Dieu agir. Amen. Je vous ai montré dans le passage de Luc, le chapitre 18, le verset 1 à 8, qu'on appelle la persévérance dans la prière. Il faut importuner Dieu. Donc, il faut importuner Dieu. Et il va, non, continue. Ce serait que, il faut savoir ce que tu demandes aussi à Dieu. Derrière, ça va. Demain, dans la main, quelque chose, après, il veut prier, ça va ce qu'il dit. Ce serait qu'il évite de dire, notre Père, Dieu, monsieur, ça ne veut rien dire. Ou bien Marie, je ne suis pas en train de faire une religion, je n'en parle pas de religion. La prière, c'est demander à Dieu. Les intentions de prière, c'est ça que demander à Dieu. Alléluia. Je ne parle pas, je ne suis pas contre une religion. Mais ce que tu veux, demande à Dieu. Tu veux une maison, demande à Dieu une maison. Tu veux guérir, demande à Dieu la guérison. Tu veux guérir, demande à Dieu, Seigneur, voici, cette année-là, j'aimerais que tant, tel sujet soit résolu. Donc le soir, tu le rencontres. Je le présente. Pourquoi? Parce que c'est lui qui exauce les prières. Amen. Vous m'avez compris? Amen. Donc ça veut dire que toute la journée, que ce soit le matin, tu commences avec lui, tu termines avec lui. Amen. Il y a des gens qui terminent même pas Dieu. Il y a des heures, les gens sont dans les bars. Une heure du matin, deux heures. Et puis vous pensez que Dieu, oui, mais il y a des heures, à partir de 21h, 22h, ce sont des heures où il y a des esprits espions. Il y a les anges viennent. N'est-ce pas aussi pour faire monter nos prières? Des heures, ce sont très stratégiques. À moins que tu aies peut-être une urgence, il y a quelque chose. Mais quand vous devenez plus spirituel, plus vous êtes, vous rapprochez de Dieu. Amen. Quand quelqu'un court beaucoup, il ne sait pas ce qu'il veut, cette personne-là, elle n'est pas spirituelle. Quelle personne est spirituelle? Elle est stable. Amen. Elle est stable. Amen. Et puis elle garde une sérénité. Amen. Vous comprenez? Amen. 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 Parce que le fait même d'être stable, c'est une bonne confiance, confiance en vous. Quand vous n'avez pas confiance en vous n'avez pas confiance en Dieu. Amen. C'est ça que Jésus dit, croyez en Dieu. Croyez en moi et croyez en Dieu. Croyez en vous et croyez en Dieu. La seule chose, c'est que Dieu peut exaucer tes prières, mais il ne sait pas de quoi. Il connaît, mais il ne connaît pas tes besoins. Or la Bible, ne vous inquiétez de rien. Vous comprenez? Or la seule chose qu'on regarde dans la maison, on s'inquiète. Pasteur, si tu peux aller dans Éphésiens chapitre 4, Philippiens plutôt, je pense bien. Ça va, ça vous fait du bien? Amen. Ça vous fait du bien? Amen. Philippiens, le chapitre 4, le verset 6 à 7, je pense. Et notre personne prend Matthieu 25. À partir du verset 25. Philippiens, chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je préfère une autre personne. Prenez d'abord Matthieu. Va dans Matthieu 25. Matthieu 25. À partir du verset 25. Matthieu 25, 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher. Non. Matthieu 6, verset, pardon. Excusez-moi. Matthieu, chapitre 6, je crois, verset 25, c'est ça? Désolé. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, moi, je n'aime pas c'est d'inquiéter. Pourquoi? Pour notre vie. Pourquoi? Parce que notre vie appartient. Amen. Dis à quelqu'un, ta vie appartient au Seigneur. Amen. Donc il dit, il ne faut même pas t'inquiéter pour ta vie. Les gens qui se lèvent le matin, oh,
Dieu, qu'est-ce que je deviens? Vous voyez, c'est déjà un problème. Tu t'inquiètes même pour ta vie. Je deviens quoi? J'ai des rides. Je vieillis. Je vieillis. C'est ma vie qui me souffre. C'est mon bonnet. Mon Dieu. C'est quand je vais. Il m'a béni. Il y a ta pointure en route. Dis amen. Amen. Ta pointure en route. Amen. Allons-y. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Il dit même pour la nourriture. Ni pour votre corps. Pour votre corps. De quoi vous serez vêtu? De quoi vous serez vêtu? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Il dit la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Et le corps plus que le vêtement? Tu continues? Oui, vas-y. Oui, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Il lui-même dit, il précise que c'est lui qui nourrit les oiseaux. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Mm-hmm. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa grandeur, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Amen. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Oui. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Il dit ne vous inquiétez donc pas. C'est un commandement. Ne vous inquiétez pas. Et ne dites pas que mangerons-nous? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Mm-hmm. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Oui, il nous choque encore. Il dit c'est les païens qui se comportent comme ça. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il dit, il connaît déjà vos besoins. Cherchez premièrement le royaume. Il dit de chercher quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Il dit de chercher quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Dis à quelqu'un, cherche le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi tu dis ça? Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mm-hmm. À chaque jour. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Mm-hmm. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Pourquoi il dit ça? Parce que Dieu, tout ce qu'il veut, c'est que tu t'occupes de ses activités lui-même. Quels sont ceux qui s'intéressent à l'évangélisation? Il y en a combien? Il y a combien qui parlent de Dieu? Il y a combien de gens qui s'intéressent à l'œuvre de Dieu? Il y a combien de personnes qui cherchent à plaire à Dieu? Combien de personnes qui cherchent à faire du bien à son prochain? La justice de Dieu. Établir la justice de Dieu. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment faire évoluer ton prochain? Amen. Amen. Je n'ai même pas de chrétien. Mais le temps de penser aider quelqu'un qui est en difficulté, Dieu te bénit. Ça, on n'a pas besoin d'être devenu à l'église ou d'aller à mosquée. Amen. Quand une personne a la souffrance et que tu aides cette personne, c'est comme une dette devant Dieu. Quand tu vois les difficultés, Dieu se souviendra de ça. Amen. Pour te rembourser ça. Si tu as fait du mal, ça a diminué la bourse. Dès que ça, tu vas dans tes voyages. Amen. Amen. Alléluia. Donc Dieu te dit, fais sa justice. Le jour où Dieu te verra en train de faire. Pour ça, vous comprenez déjà que les gens ne sont pas bénis parce qu'ils trouvent qu'ils ne font pas, ils ne font pas la personne ne fait pas sa volonté. C'est pas aller prier qui est plus important. C'est pas aller chercher un homme de Dieu qui est plus important. Ta vie est bizarre parce que toi-même tu es bizarre. Dis à quelqu'un, ta vie est bizarre parce que tu es. Alors cherche à faire la. Dis à quelqu'un, cherche à faire la volonté de Dieu. Amen. Dieu est là. Dieu est là. Il te regarde. Ce qu'il fait pour lui, il fait pour toi. Approchez-vous de moi, il m'approche de vous. Quand il vient, tu ne fais pas sa volonté. Il ne peut pas te bénir. Il ne peut pas te bénir.
Parce que ton cœur même est mauvais. Il y a des gens qui ont l'église, ils font tout. Mais le cœur qu'ils ont là, ce cœur-là, même Satan ne peut pas avoir ça. Il y a des pensées, Satan, je vous expliquais un monsieur qui a sorti la clôture de son voisin pour aller bouillir les œufs de la poule de son voisin. Sur prétexte que les poules là font beaucoup de poussins. Nous on l'a regardé, on dit bon, c'était un diacre. Nous on a fait le bureau et puis on est parti. On dit, lui là, Lucifer même, s'il va au ciel, Lucifer va perdre lui. Lucifer va dire, lui là, il n'est pas bon. Parce qu'il me trahit ici. Comment la nuit à minuit, qui sort de l'autre. À minuit, les gens dorment. À cause du bruit, les yeux. Tu vas te mettre dans la marmite. Ça refroidit. Tu sautes d'où. Et puis tu soulèves la poule, tu mets les yeux. Et la poule reste en allèvement comme ton enceinte. Et la, le monsieur constate, parce que il dit, mais mes poules font pas. Et puis il tue tous ces poules. Et donc dans l'église, le Saint-Esprit est descendu. Chacun confessait. Quand lui voulait parler, on dit, ah lui c'est un responsable. S'il parle, c'est pas bon. On a quand dans le bureau. Parce qu'on le respectait. C'est quelqu'un qui était bien, il est sale, tout ça. Oh, on dit non, celui-là, s'il confesse, l'église va se vider. L'église, il dit avoir deux personnes à l'église. C'était notre père spirituel qui est en train d'envoyer l'église. Nous, on était pasteur stagiaire, on l'a envoyé. Donc on l'écoute. Oui, oui, on dit pas. On est dans le bureau même. Pas. Oui, j'ai péché comme le Seigneur, lui, on l'a compris. C'est un péché. Oui, c'est péché dans notre gâteau. Et il dit non, j'ai péché, mais c'est grave. Oui, oui, c'est vrai. Quel péché. Pas. Mon voisin a tué ses poules. Bon, nous, on a commencé à prendre son Seigneur. Viens écouter. Il avait plein de poulets. Beaucoup de poulets. Et je n'aimais pas ça. Il a dit, comment quelqu'un, les poules sont chez ton voisin et toi, tu n'es pas content. C'est qu'est-ce que tu dis ça? Les poulets, et puis toi, tu es fâché. C'est des images. Mais comment les poulets de ton voisin sort, parce qu'on a dit, et le roi, toi, tu es fâché. Il prend et dit, bon, comme la poule a fait beaucoup de poules, il se gêne beaucoup. Donc lui, voici l'imagination qui vient dans sa tête. Lui va aller, comme elles sont sur des poules, des œufs, lui il va faire bouillir les œufs. Même Satan ne peut pas avoir cette pensée. Donc il a sauté la clôture. Et puis il allait prendre les œufs dans son seau. Doucement. Et il a dit, lui, là, beaucoup de séries, vous connaissez les œufs, ça se casse. Donc beaucoup de séries, il rit pas. Et il assis, il fait bouillir les œufs, il refroidit. Il refroidit les yeux. Et pour le Seigneur, et il rit la clôture et il met les yeux dans. Quand il a fini, là, moi, il est sorti de la salle. Voilà, quand le père spirituel, faut prier pour lui. Elle est nous-mêmes. Sa conversion nous dépasse. On est scandalisé. T'as vu, lui, qu'on fait, toi, t'imagines la scène, comment il a fait. Les yeux qui se cassent. Il a sauté la clôture, c'est pas cassé. Il est revenu encore, c'est pas cassé. Il avait fait bruit. Tout le chéri, tu fais la poule humaine. Les yeux, pas. Ah! Moi, c'est le chemin de passer stagiaire à ma vie du bureau. Le passé l'a chassé après. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Faut qu'on ait un fond qui est bon. Amen. 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 Ne vous inquiétez de rien. Bien-aimés. Ne vous inquiétez de rien. Comment manger? Tout ça, c'est les paniers qui recherchent ça. Tout ce que Dieu aimerait, c'est que nous puissions nous confier tous nos soucis. Amen. Amen. La seule chose, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Comment gagner âme à Christ? C'est ça qui est le plus important. Alléluia. Amen. Alors donc, présentez vos soucis au Seigneur, ne vous inquiétez de rien cette année. Projetez les choses, croyez que Dieu réalisera vos projets et vous verrez la main de Dieu se manifester. Amen. Vous dites amen. Alléluia, pour terminer, plus d'années passées, pour marcher avec lui, marcher avec lui, c'est une loi.
Si vous le délaissez, vous délaissera aussi. Hein? Amen. Voilà. Le jour où vous pensez que il est là, bah, lui se rapproche de vous. Le jour où vous pensez qu'il faut favoriser les disputes, les palabres, lui s'absente parce qu'il n'aime pas ça. Amen. Il n'aime pas dans les querelles, il n'aime pas. Il aime le point où on projette de bonnes choses. Amen. C'est ça qu'on appelle l'Esprit Saint. Il y a quelqu'un Esprit Saint. Esprit. Le jour où c'est en train de dire de bonnes choses, il est là. Le jour où il est en train de dire de mauvaises choses, c'est le mauvais esprit qui est en train de s'examiner. C'est ça que la Bible dit, quand un démon s'en va, le problème c'est que les gens disent que non, on prie, tout ça, j'ai été guéri. Et après, j'ai l'impression que la maladie revient. Ça dépend de ton cœur et de l'environnement dans lequel tu te trouves. Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi? Ça dépend. Pourquoi? La Bible n'a jamais dit, si on te délivre, ok, il n'aura pas que d'autres choses. Non. La Bible nous dit dans Matthieu, pasteur. Pour que je vienne expliquer bien, je Matthieu, le chapitre 12, verset 43. La Bible dit qu'un démon sort d'un corps. Quand on prie pour vous, c'est un mauvais esprit qui vous anime, qui est à la base de votre maladie, qui est à la base de tout ça. Quand on prie, il s'en va. Ok. Parce que c'est tout ça, il y a des restes à un démon. Il y a toujours un problème d'esprit derrière. Tous les soucis que vous avez, toutes les difficultés que vous avez, il y a forcément un mauvais esprit derrière. Et quand on prie pour vous, l'esprit dégage. Il bouge. Mais regardez après, pasteur. Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Il dit lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Il va par des lieux arides. Il va d'abord dans les lieux arides, dans les points. Cherchant du repos. Cherchant du repos. Et il n'en trouve point. S'il ne trouve pas. Alors il dit. Il dit. Je retournerai dans ma maison. Ok, je vais retourner où il était avant là. Je vais repartir là-bas. Vous comprenez, c'est Jésus qui dit, hein? D'où je suis sorti. D'où je suis sorti. Et quand il arrive. Il dit, quand il arrive. Il la trouve vide. Cette fois-ci, comme elle est dormie. Parce qu'à une minute, si vous n'entretenez pas votre relation avec Dieu, le coin reste vide. Parce que le Saint-Esprit, il a attissé et est parti. Donc le coin reste vide. Alors donc, l'Esprit. Reviens. Amen. Amen. Oui, allez-y. Hein? Oui. Il a trop vide et balayé. Balayé. Et orné. Orné. Il s'en va et il prend avec lui sept. Il s'en va, il prend avec lui sept autres. Sept autres esprits plus méchants que lui. Plus méchants que lui. Il entre dans la maison. Il revient. S'y établit. Il s'établit. Et la dernière condition de cet homme, oui, est pire que la première. Amen. Amen. La seconde condition est même pire que la première. C'est pour ça que si tu n'es pas prêt à abandonner certaines choses, ne viens pas te délivrer. Amen. Ce n'est pas celui qui te délivre, c'est comment tu conserves la délivrance après. Amen. Pour savoir la conserver. Avant j'ai prié, ça allait ma tête, et bien avant j'ai réuni mon frère, ça n'a rien à voir le pasteur. Ni le bishop, ni le révérend, ni l'évangéliste. Ni le pasteur qui a prié pour toi, c'est toi-même, ton cœur et ton environnement. Si tu favorises les disputes, si tu favorises les choses, l'esprit regarde. Il voit que. Parce que la Bible n'attiste pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand on fait quelque chose que nous voulons faire, il attiste. Et puis s'il attiste, il dégage. Dès qu'il dégage, les vilaines choses peuvent arriver, vous devenez vulnérables. Amen. Amen. N'abusez pas les gens, c'est vous-même qui pouvez vous remettre en cause. Non, on a prié, mais au moins qu'il a prié, tu as été guéri, gloire à Dieu. Ça veut dire que Dieu est libre. Mais Dieu n'a pas dit si, puis Jésus nous a dit, le démon, il sort, et puis il revient après. C'est Jésus qui l'a dit. Amen. 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 Pour vous dire, amen, aussi, vous n'entretenez pas vos relations avec Dieu. Vous ne prenez pas le temps de prier Dieu. Entretenez cette relation, vous êtes mal barré. Amen. Vous allez voir que le diable va vous emmerder. C'est pour ça que le matin, vous priez. Le soir, il faut prier, entretenir cette relation avec Dieu tout le long de la semaine. Le seul jour où il ne va pas prier, c'est le dimanche. Le dimanche, on demande plus, on dit merci à Dieu. Mais demandez, dites merci à Dieu. Est-ce qu'on m'a bien saisi? La seule chose que vous devez faire dimanche, c'est de lui dire merci. Quand vous êtes là le dimanche, quand vous réveillez, dites merci. Prenez-vous dans la semaine pour lui dire merci. C'est tous les sujets de prière, vous dites merci. Lundi, répondez-vous la prière. Alors chaque 3 mois, essayez de valider. Vous allez comprendre que si vous suivez ça de près, vous allez voir Dieu en train d'agir. Puisque Dieu ne veut pas que tu aies plus de prière. Dieu ne veut pas que tu chies.
Alors donc, Dieu va suivre aussi avec elle, il va commencer à les exaucer. Normalement, chaque fois quand l'homme évolue, ou chaque fois quand l'homme progresse. Ma vie, c'est vous. Amen. Ça va? Amen. On dit pas amen? Amen. Ça va? Amen. Chaque fois quand l'homme évolue, chaque fois quand l'homme progresse. Donc, allez voir si vous suivez ça jusqu'en mars. Avant d'attendre le mois d'avril, vous allez voir beaucoup de sujets exaucés. Amen. Ce qui est bon maintenant, Dieu qui donne la science, c'est qu'il doit rester en temps, qu'il va attendre. Amen. Parce que les gens suivent, ils sont dit, dis-le, le monde peut rater. Les gens, si tu es dans sa vie, ils vont le dire, ils vont le rappeler à l'église. Amen. Ils vont dire, non, tu sais, Seigneur, non, mais je suis trop con, tu dis, j'ai fait les affaires, je fais les affaires. Dimanche, mes affaires marchent. Oh, le voici. Amen. 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 Oui, il y a des gens comme ça. On connaît un frère, lui, quand on voit Cacao, la période, la tête, là, lui, il devient soulagé. Encore du bois. C'est qu'il y a un Cacao, est chrétien, est sapé. Mais non, il va tout ça. Oui. Il faut Cacao, frère. Non. Il boit, il finit son argent. Oui, il n'a plus l'argent, il ne voit pas sa vie. Quand on voit son dos, le gars, l'argent est fini. Il y a des gens qui sont allergiques à ça. Donc, Dieu sait ce qu'il va te donner. Mais au moins fais des projets. N'oubliez pas les beaux sujets. Matin à partir de 3h34, présenter sa vie jusqu'à 5h du matin normalement. Ça dépend des heures avec lesquelles tu pars. Mais à normalement 3h34 jusqu'à 5h25, on a déjà fini de prier. 3h30 jusqu'à 5h00, on a fini de présenter vos sujets. Le soir encore, vous répondisez vos prières. Quand vous allez suivre ça de près, quand vous accordez beaucoup d'intérêt, c'est comme quelque chose. Les scènes que vous avez déposées, vous suivez ça? C'est une requête que vous avez posée devant le Seigneur. Vous revenez là-dessus en insistant, vous n'allez pas Dieu va agir. Alors, vous allez suivre votre parcours. Voyez comment Dieu s'est manifesté dans votre vie. Amen. 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 Alors que Dieu soit avec nous au cours de cette année. Amen. Que Dieu nous bénisse et continue de nous fortifier. Amen. 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 Alors, je vais aborder un sujet important. Avant de préparer, avant de donner la place au groupe qui officie aujourd'hui, c'est le groupe Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le groupe Saint-Esprit? Amen. Je vais bientôt aborder dans le mois de janvier, je vais parler un peu de comment marcher avec Dieu au cours de l'année, et puis je vais rentrer dans l'eschatologie, expliquer le retour de Jésus, les signes, tout ça. C'est beaucoup très important. Alors, je vais vous parler d'un truc très important. Pour les chrétiens, nous suivons, nous attendons le retour de Jésus. C'est pas ça? Quels sont ceux qui sont convaincus que Jésus arrive bientôt? Qui est convaincu? Qui est convaincu? Nous allons voir ça dans la Bible tout à l'heure, quelque chose de très important. Voilà, quelque chose de très très important tout de suite et qui nous fera du bien. Amen. Amen. Nous allons aller dans le livre d'Apocalypse. Voilà. Nous allons aller dans le livre d'Apocalypse. Qui croit la puissance de Dieu? Je vais demander au pasteur à quelqu'un de me dire ici quelque chose que nous allons ensemble voir et qui va beaucoup nous aider. Nous allons commencer par la lettre alphabet. À partir du verset de A jusqu'à Z. On écrit, non? Je vais vous montrer quelque chose. Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Vous savez,
Il a bon. L'humanité est tellement. Allons-y. On va écrire, on va se répondre, on va se. Il y a combien de lettres alphabétiques? 26. Hein? 26. Très bien. On va commencer de A jusqu'à Z, n'est-ce pas? Il va essayer d'écrire. Il va écrire. Pour séparer. Je vais vous donner une révélation importante qui va beaucoup vous aider. Ça va être une question de révélation qui ont grandi dans la foi. Amen. Seigneur, tu connais déjà l'enseignement. Nous allons voir un truc très important et ça nous fera du bien tout de suite. Je vous disais que le chiffre 6, c'est le chiffre de... N'est-ce pas? Hein? Est-ce que vous avez entendu déjà parler des chiffres 66? Hein? Hein? Et qu'est-ce qu'on vous dit des 666? Le diable, le diable. Qu'est-ce qu'on vous dit des 666? C'est ça, c'est ce qui je peux ressortir comme révélation tout à l'heure. Et ça fera du bien à chacun d'entre nous. Amen. Voilà. Donc, on va essayer une chose avant de parler. De rentrer même dans la révélation du chiffre. On va faire plus 6. On va essayer de faire plus 6. A. On considère A c'est 6. Alors B, on fait plus 6, ça va faire 12, n'est-ce pas? Plus 6, ça va faire 24, c'est ça? 18. 18, voilà. Donc plus 6, plus 6. Et regardez un peu, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous faire ressortir la marque de la bête. Comment le diable marque les choses? Ben oui. 4 plus 6, ça fait 30. Ben oui, bien sûr. Bon, nous allons prendre la parole de Dieu. Dans l'Apocalypse, d'abord, chapitre 13, le verset 18. Le verset 18 va nous intéresser. Amen. Vous pouvez lire tout après le chapitre 13 ou le chapitre 13. Amen. Pourquoi il dit ça? Parce qu'à un moment, il a commencé déjà à enseigner sur la névrologie, n'est-ce pas? C'est une chose de tout ça. On me suit un peu? Amen. Ça va? Amen. Je ne vais pas trop prendre du temps, mais je vais développer ça. Je vais développer. C'est les connaissances comme ça que nous avons par la grâce de Dieu. Quand on va dans les points, on essaye nous de repérer déjà si l'endroit est né, si l'endroit où est le nom même de la personne, comment son nom peut représenter. Et tout ça, et puis ben, on sait à qui on a affaire. Okay. Apocalypse. C'est ça la connaissance. Ah, vous n'y jouez pas ça. Moi, je suis allé à l'école pour apprendre de toutes les choses. Amen. Apocalypse, chapitre 17, 13, verset 17. 18. 18. Oui. C'est ici la sagesse. Il dit pas la sagesse, il dit c'est ici la sagesse. Oui. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. La bête, c'est quoi? C'est le diable, l'antichrist qui va venir. N'est-ce pas? Et qu'il voit une marque. Et la Bible dit que c'est la sagesse. Et que celui qui a la sagesse calcule. Ça veut dire qu'on peut calculer, c'est pas ça? Est-ce qu'on me suit un peu? Amen. Quand la Bible dit que c'est ici la sagesse calcule,
Ça veut dire qu'on peut calculer, n'est-ce pas? Il faut avoir la révélation, n'est-ce pas? Oui, allons-y. Car c'est un nombre d'hommes. Il dit c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Très bien. Son nombre est 666. J'aurai l'occasion de développer ça. Hein. Pour le moment, j'introduis comme ça l'enseignement. D'accord? Mais pour vous amener à aimer plus l'enseignement, je vais développer quelque chose. Pourquoi aujourd'hui, à la conclusion, je vais vous expliquer certaines choses. Il dit c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Et la Bible dit quoi? Décalculer. N'est-ce pas? La Bible dit nous-mêmes décalculer. La Bible n'a pas dit celui qui a de la santé calcule. Or, il y a 26 lettres de l'alphabet, n'est-ce pas? Hein? Il y a des informaticiens ici. Je fais exprès pour poser la question. Parce que je vais poser une question. Il y a des informaticiens? L'informatique, je n'ai pas même idée, c'est créé quand, à partir de quelle époque on a eu le système informatique. Si vous voulez, vous me donner le résultat après. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais on dit son chiffre, les 666. Voilà. Donc vous savez, les gens parlent de 666. Et c'est la marque de la bête. C'est déjà utilisé. Ça y est là, mais d'une manière subtile. D'accord? 6 plus 6, ça fait combien? 12. Hein? Plus 6, ça fait combien? 1 plus 8. Et l'homme fait combien dans le vent de la femme? Très bien. Vous me dites que je vous emmène une grandeur. De la science spirituelle. Je vais vous emmener à quelque chose. Avant que quand vous êtes devant les satanistes, vous allez les connaître. Eux jouent avec les chiffres, eux jouent avec les noms. Eux, rien ne fait un hasard. Le hasard n'existe pas chez eux. D'accord? Alors. Dans le domaine satanique, il commence à compter à partir du 6. Parce que normalement, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc, le 6. Alors, le computer, c'est l'ordinateur. Voilà. Hein? On est d'accord ça? Très bien. Vous savez que c'est à partir du système informatique qu'on a le contrôle sur toutes choses. C'est pour ça que ne soyez pas surpris que tout est informatisé, tout est devenu encore. Pas les satanistes à vous attaquer parce qu'il y a des révélations, c'est pas dans la hauteur. Amen. Alors, hein? Amen. Ok, donc les computer. Computer, C-O-M-C-O-M-P-U-T-E-R. Alors, le computer, n'est-ce pas, ça fait? C'est l'ordinateur, n'est-ce pas? Bon, le C, donc, premier ici. 18, 18. Le O est donc combien? 90, d'accord? Le M? 78. Le P? 96. Le U? 126, d'accord? Le T? 120. Le E? 30. Le R? 108. On va calculer, c'est pas ça? Hein? Bon, on va déjeuner ensemble, d'accord? On va aller ensemble. 18 plus 90. Merci. On va aller le faire à mesure. Hein? 108. 108 plus 78. 186, c'est ça? 186 plus 196. 186 plus 100. Non, je veux que tu mettes plus même, c'est mieux. Comme ça, on parle bien, tu vois. Je préfère comme ça, tu vois. C'est mieux. Voilà. Et tout le monde, ça. 218. Voilà. Voilà. Plus. Non, 108, c'est ça. C'est ça, c'est 108. 108 plus. 78. C'est combien? 108 plus 186. 186, c'est ça? Mm-hmm. Comment? 186, oui. Oui, 186, oui. 126. Non, 96. 196. Mm-hmm. Plus 96. Est-ce qu'on suit un peu? Oui.
égale 264. Égale 264. Égale 20 égale. C'est combien? Quoi? Là, c'est 96. 296. 200. Oui, mets ça ici, 200. 282, c'est ça? 282 plus. 26. Plus 126. 408. 408 égale. Oui. Plus 120. 628. Plus 30. 658. Plus 100. 108. 666. Ça fait 600. Ça fait 600. Très bien. On a vu que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la veille et son chiffre est 666. N'est-ce pas? Ça, c'est l'enveloppe au bout de l'enseignement prochain. Nous sommes dans un monde plein de mystères. Il y a quelqu'un plein de mystères. Il y a quelqu'un, nous sommes dans un monde plein de mystères. Quand vous voulez combattre le diable, vous le connaissez. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, quand tu veux combattre le diable, il faut bien le connaître. Tu vois, il y a 666. Or, la Bible dit que le nombre est déjà connu, que celui qui a l'intelligence calcule. J'ai calculé devant vous tout de suite. Hein? Et puis, on a trouvé, avec un buteur, on a trouvé 666. Vous allez me dire, mais comment ça se passe? C'est mon prochain enseignement. Amen. Amen. C'est un de vous qu'on commence à prier. C'est un de vous.